Et y'a plein de gens qui se retrouvent aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est nous pour vous présenter la toute nouvelle mise à jour qui est arrivée ce matin. Donc elle arrive vers midi et demi. Donc je vais vous présenter le tout nouveau véhicule qui est arrivé. Donc c'est la Truffade Nero. Donc elle est sur le Beniz Original Motorwork. Elle coûte 1 440 000 $. Donc voilà, donc elle coûte assez cher. Enfin voilà. Donc là je vais faire juste une petite coupure le temps d'aller la customiser. Donc là, je suis devant le Beniz Original Motorwork. Donc là, on va directement se rendre pour aller la customiser. Hop là, donc là, on rentre. Donc c'est une super sportive. Hein. Hop là, donc là, on fait la transformation, donc à 605 000. Donc déjà, on débourse 2 millions, rien que pour l'acheter et la transformation. Donc pour le blindage, j'en mets pas. Les freins, bah j'en mets au max. Pare-choc, prise d'air en carbone. J'ai mis personnellement. Hop là. Arrière diffuseur secondaire en couleur, moustache couleur secondaire aussi, donc voilà. Ensuite on va passer au châssis, portière détail carbone à 8 100 $, donc aile sans aération, hop là, moteur, donc bloc moteur à 25 500 $. Donc on peut voir que ça se met juste en carbone hein. C'est juste ça qui remplace, mais voilà, c'est toujours ça. Moteur au max aussi, échappement ex carbone, donc il est vraiment stylé je trouve, donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ensuite donc on a des explosifs, calandre en carbone, capot, accessoire de capot, assemblage carbone aussi j'ai mis, et capot, panneau en carbone, donc voilà. Donc ensuite donc les klaxons n'en met pas, habitacle, tableau de bord, donc là j'ai mis course carbone, donc j'ai hésité hein. Je sais pas si je vais la mettre en original ou en course. Du coup j'ai dit bon bah on la met en course. Hein. Puisqu'elle est vraiment aussi suivie dans les deux cas. Donc c'était dur de choisir. Hop là. Ensuite portière course carbone. Siège, siège de course carbone aussi. Donc j'ai mis tout en carbone. Hein. Je pouvais mettre en carbone, je mets en carbone. Donc là je vous ai montré un peu tous les volants assez vite. Donc j'ai mis le dernier, Rally Pro. J'hésitais aussi avec le premier volant, vous avez pu voir. Mais du coup, bon, bah, quand j'ai mis déjà le début en course, bah j'ai mis le reste en course quoi. Faut voir que les éclairages chauds sont en promotion comme le blindage tout à l'heure, donc moi je l'ai mis en rouge fraise. Je vais le mettre en rouge torino, enfin bref, de toute façon je le changerai hors vidéo. Bref, phare aux xénons, je mets pas de néon, motif, donc j'ai mis le tout dernier, donc je montre un peu tout ce qu'il y a. Hop là, donc ils sont assez stylés je trouve, donc moi personnellement j'ai mis le dernier, voilà. Donc ensuite plaque, donc j'en ai pas mis, enfin j'ai laissé celle qu'il y avait d'origine quoi. Maintenant peinture, couleur principale, donc là en couleur principale j'avais regardé un petit peu avec ma couleur du groupe, mais après j'ai dit non, j'ai mis du métallique, du coup rouge torino parce que je crois que c'était vraiment beau. Il y a aussi le antarctique qui était vraiment beau, mais voilà, j'ai mis en couleur secondaire, donc en couleur secondaire métallisé. Et j'ai mis entre du gris et du noir, donc c'est l'antarctique, voilà je crois. Je crois que c'est l'antarctique que j'ai mis. Je suis pas sûr. Donc non c'est le graphite. Excusez-moi. Donc voilà, après couleur de finition, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et ensuite j'ai laissé en graphite. Parce qu'en fait ça camouflait bien avec la couleur, donc j'aimais bien. Action de toit, bannière Truffade. Et toit en carbone. Donc à 100 $. Ensuite, donc le toit en carbone, bien sûr je l'ai pas mis, hein, je vais le préciser, enfin bref, vous l'avez vu. Aileron GT de course pro, donc j'hésitais avec l'aileron GT de course tout à fait normal, mais du coup bah je l'ai mis quand même en GT pro. Je vais préciser aussi que quand vous la mettez en transformation, vous n'avez plus l'aileron qui se lève, donc voilà. Donc type de roue, j'ai pas changé, parce que j'aimais bien comme c'était. Hop là, donc couleur de jante, voilà, on peut pas changer. Pneus, donc apprendre des pneus, on peut pas. Amélioration des pneus, donc à l'épreuve des balles, hein, normal. Et fumée rouge. Donc voilà. Donc par contre, c'est pas en réduction non plus. Et fenêtres teintées. Et donc là, ce sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour le reste de cette mise à jour.